Alors, dans quelques minutes, on va écouter Madame Gachassin. Ah. Mais d'abord, on va accueillir Nolwenn Leroy. On écoute chanter d'abord un petit montage des chansons qu'elle a souvent chantées sur notre plateau. Brest, Trimartolo, Moonlight Shadow. Et ensuite, elle nous rejoint parce qu'elle aussi, elle est devenue une passionnée de tennis. Nolwenn Leroy. Parce que désormais tu me détestes d'avoir bu un jour quitté Brest, la rade de port, ce qu'il en reste, le vent dans l'avenir changerait. Je sais bien qu'on y était presque, on avait fini notre jeunesse, on aurait pu dévouer du reste, même au milieu d'une averse. Nolwenn Leroy, qui a accepté de venir. Elle est là, Nolwenn. Ah, c'est bien que tu sois là. Ça va? Oui. Ça va bien? Ça va bien.
bonjour, ça va? Nolwenn, c'est bien. Mais merci de m'avoir invité. Merci d'être là, Nolwenn. Merci, merci, merci. Alors, Nolwenn, elle connaissait le foot, évidemment. Elle vient du sport. Son père était un joueur de foot que j'ai bien connu. Mais le tennis est entré dans ta vie un peu plus tard. Un peu plus tard, moi j'étais passionnée par le tennis plus jeune. Moi, comme beaucoup d'étudiants, je faisais croire que je révisais le bac alors que j'étais devant Roland-Garros. J'étais dans ma chambre avec la télé, puis dès que j'entendais maman monter l'escalier, tout de suite j'éteignais la télé, puis je mettais la tête dans les bouquins. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans mon cas, cette quinzaine de Roland. Et puis, voilà, une passion pour ce sport que j'aime et qui me fascine. J'adore, moi, ce suspense dans le tennis, le fait que c'est jamais terminé jusqu'à que les joueurs se serrent la main au-dessus du filet. En plus, j'ai la chance d'aimer le Hitchcock du tennis. Toujours beaucoup de suspense avec dans le match d'Arnaud. Comment tu l'as rencontré, Arnaud? Comment je l'ai rencontré? On s'est rencontrés parce qu'on avait des amis en commun, pas du tout par le tennis, en fait, directement. On était amis pendant quelques temps, assez longtemps. Voilà comment ça a commencé. Mais c'est vrai que cette passion, c'est fabuleux, parce que c'est vrai qu'on fait deux métiers différents et finalement on se rejoint sur beaucoup de choses, on se comprend sur... C'est pas si lointain, finalement. Alors, tous les joueurs de tennis que j'ai rencontrés au plus haut niveau, y compris les internationaux, ont tous besoin souvent d'avoir la personne qu'ils aiment à côté. Ou qui est proche d'eux. Connor, c'était sa maman. Marie Pierre, c'était son papa. Bartoli, etc. Et c'est très important pour un joueur de tennis d'avoir dans la tribune un regard plus qu'ami. Le regard de la personne qui vous aime. Sauf que lorsqu'on assiste à la défaite de son amoureux, c'est douloureux pour lui. C'est douloureux. Il y a eu des moments difficiles. Oui, la quart de finale à Wimbledon, qui était il y a trois ans, c'est ça, ouais, trois ans. Je vis ça tellement de manière intense. C'est une vraie passion pour moi. Le sport, je pense que, j'aurais adoré en fait. J'aurais adoré faire ce métier-là. J'aime la compétition d'une certaine manière dans le sport et ce que cela génère et toutes ces émotions fortes. Et dans la famille du tennis, elle est rentrée par la grande porte, elle était adorée par tous les joueurs, par toute cette grande famille. Il faut dire qu'Arnaud, grand joueur de Coupe Davis. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Simple, double. C'est une carrière incroyable. Il est d'Aix-en-Provence, je crois. Arnaud est d'Aix-en-Provence, tout à fait. L'attend, gagneur. Et il t'a fait jouer un peu, tu joues au tennis? Ah oui, moi je suis... je joue... Moi je joue en plus, j'ai la chance d'avoir le meilleur prof, donc je m'envoie la balle pile où il faut, donc j'ai l'impression d'être super doué. Non mais c'est vrai que la Coupe Davis, ça a tellement compté pour Arnaud, ça aussi c'est une expérience fabuleuse de vivre ces rencontres de Coupe Davis. C'est incroyable d'avoir la chance d'assister une fois dans sa vie à ça, parce que ça ressemble à rien d'autre. C'est vrai que pour un sport où c'est vrai que tous ces joueurs sont... Et voilà Arnaud avec son revers, deux mains, et son petit bandeau. Il est connu, c'est pas un genre... très athlétique apparemment, non. Mais il est incroyable. Arnaud, c'est quelqu'un qui est un besogneux, quelqu'un qui s'entraîne. Mais Fabrice Santoro tellement... nous racontait tout à l'heure qu'ils ont joué un match qui a duré 6h30 un jour. Avant le match de Nicolas Mahut. Absolument. Exactement. 6h15. Long match. Ouais. Voilà cette photo que tu as à ses côtés. Eh bien, elle est dans ce journal que j'ai entre les mains, que je vais t'offrir. D'accord. Jean Couvercel, est-il besoin de le présenter? Grand journaliste de tennis, grand spécialiste. Il publie un numéro spécial Roland-Garros, Nadal Djokovic, la Coupe de l'impossible avec les confessions de Nadal. Et il y a un papier et une photo. Ça, c'était à Monaco, c'était à Monaco. Voilà cette photo. Ouais. Merci beaucoup Jean Couvercel, parce que c'est vrai, il écrit toujours des choses magnifiques. C'est le seul tennis magazine. C'est indispensable pour suivre le tournoi. Sur le tennis. C'est pour Nolwenn. Merci beaucoup. Voilà, je rappelle que Nolwenn est à l'Olympia le 15 décembre. Nolwenn, reste avec nous. On va terminer l'émission dans un instant, mais d'abord, on va écouter. Et bien voilà. Et qui fait un travail merveilleux. Voilà, on a fini. Déjà? Voilà. J'étais content, Jean. C'est vrai, c'est vrai. Très heureux. Je remercie toutes les équipes qui ont travaillé beaucoup, tes collaboratrices et les nôtres. Merci à Eric Barbet, à Grégoire Jean-Monod, à Joël Narcy, à Julie Meyer, parce qu'on voulait trouver de belles images. Et on a voulu terminer avec cette beauté qui est là, que j'aime beaucoup. Le charme personnifié, qui est une très grande gentillesse. Je sais bien. Alors, dernière question, je ne sais pas si c'est une question que je peux poser. L'équipe de France a tourné une page, Guy Forget est parti, on ne connaît pas encore son successeur.
Mais j'ai entendu beaucoup de bonnes choses sur Arnaud, Clément. Je ne veux pas donner de scoop. Non, pas de scoop, pas de scoop. Non, mais actuellement... Mais il fait partie de ce, des pistes de réflexion. Il fait partie, il y en a 5 ou 6 qui font partie de la DTN. Patricia Joueur est en train de discuter avec tous ces joueurs. Nous voulons également avoir une discussion avec, pendant Roland Garros très certainement, avec tous ces joueurs pour qu'il y ait un consensus et pour qu'ensemble on puisse trouver le meilleur capitaine possible qui fera remporter la Coupe Davis. Nolwenn, tu vas avoir joué un rôle important auprès d'Arnaud parce que j'ai l'impression que la carrière va bientôt se terminer, non? Encore un ou deux ans. Ça sent la dernière saison, oui, mais bon, il y a c'est tellement sa dernière de... saison. Oui, mais Sacha Arnoux, il a 34 ans et c'est vrai que c'est ça qui est difficile dans ce métier. Nous, chanteurs, on n'a pas... C'est vrai. On ne vit pas ce genre de choses. C'est une deuxième vie quand on a fait ça toute sa vie. 34 et puis surtout, ans, on est tout jeune dans le métier de la chanson. Oui, c'est ça. Mais quand dans le sport de haut niveau, on est déjà là. En plus, au niveau... Enfin, Arnaud, c'est quelqu'un, comme je disais, qui s'entraîne tellement, qui vit tellement de cette manière. C'est un vrai amoureux de ce sport, en fait. Oui. C'est ça qui est... que j'aime le plus, je crois, chez lui. C'est ça qui me fascine. C'est à quel point, justement, l'âge et le rien ne compte. Il n'y a que l'amour du sport et le fait d'entrer sur le court et d'avoir toujours ce feu sacré, cette passion. Voilà. Et ça, c'est quand même... Voilà. Et c'est ce que... Je voulais juste dire un petit mot aussi sur Jean, parce que je trouve qu'il incarne tellement bien ce qu'est le tennis aujourd'hui. Parce que pendant des années, c'est vrai que le tennis était un sport qui était réservé un peu à une élite. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le tennis, c'est populaire. Un sport qui est réservé à tous, qui est plus populaire. Et c'est vrai que je trouve que Jean, il incarne ces valeurs-là. Et c'est cette famille du tennis, le fait d'être aussi passionné par ses joueurs. Il met tellement de lui. Enfin, dans les compétitions, dans tout, il y a une relation très, très forte. Enfin, moi, ça me touche énormément. Une vraie passion. Humaine et puis on est des sportifs. On va retrouver Jean tout à l'heure à 19h pour vivement dimanche prochain avec nos complices habituels.